Je voulais vous montrer ça, les gens, c'est incroyable ce que j'ai découvert ici. Enfin non, j'ai pas découvert. En fait, habituellement, ce qui se passe. Après, je vais manger. Bon, habituellement, ce qui se passe dans cette zone-ci, dans cet endroit-ci, vous voyez que c'est magnifique et de toute beauté. Voilà, j'aimais bien cette ville. Vous montrer à quoi ressemble la ville sans les shaders. C'est juste une vie banale. Voilà. C'est là, du coup, c'est beaucoup plus vide. Voilà à quoi ressemble la ville sans les shaders. Je vous disais, ouais, c'est sympa. Ouais. Là, du coup, je suis à 223 FPS. C'est sympa, ouais. Bon, ça charge aussi. C'est sympa. Mais c'est pas ouf, quoi. C'est mieux quand c'est la nuit. Et je vous dirais, bah ouais. Parce que maintenant on va regarder ce que ça donne avec les shaders activés. Et putain, c'est un autre jeu quoi. Vous avez bien vu à quoi ça ressemble là. Et maintenant on va activer de retour mes bébés shaders. Donc mes shaders Zeus. Voilà, ils sont activés. Hop, fermé, 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 reprendre. Et wow! On l'a fait! C'est incroyable! On a l'impression d'avoir un autre jeu en fait. C'est un autre jeu en fait qu'on est en train de jouer. On est en train de jouer à Woo Woo City to Moo de la marque Doudouifié. Bon, c'est vraiment pour dire que c'est impressionnant quand même que ce que les shaders font quoi. C'est du taf de ouf. En prenant en compte encore une fois que ces shaders-ci sont vraiment ultra gourmands. Alors, j'ai un ami qui m'a aidé, Biocore001. C'est un pote suisse que j'ai énormément confiance en lui et c'est une personne adorable que j'ai toujours apprécié. Et du coup, il m'a passé un truc pour tester mon PC. Ça dit comme quoi c'est une bête de puissance dans les trucs de bureautique. Par contre, pour le gaming, c'est moyen. Mais sincèrement, quand on voit ça, on se pose la question quand même parce que. N'oubliez pas que c'est Java. Java, c'est de l'interprète. Donc, c'est lourd. Ici, j'ai carrément mis des shaders. Et d'ailleurs, pour info, c'est dans les 200 FPS, 223, un truc dans le genre. Quand il n'y a pas du tout. Parce que j'ai pu faire du coup un test PC Bench marque. Et du coup, ça m'a marqué comme quoi Minecraft, quand j'ai vérifié ça, je peux même jouer à GTA. Je suis à 120 GTA 5. Je suis à 100 en ultra, en max. Hein, je suis à 100, 101 FPS. Donc c'est vraiment. C'est là qu'on se pose la question. Ouais, c'est pas un PC gaming, mais quand même, il permet de faire quand même pas mal de jeux. Hein. Je veux dire, habituellement, un PC gaming, c'est ce qu'on attend, c'est qu'il soit à 160 FPS minimum dans les jeux. Et du coup, c'est bon en ultra, quoi. Et là, c'est le cas. Donc c'est un peu bizarre quand même leur truc. De dire que c'est pas un PC gaming. Bon, je peux comprendre, c'est pas un PC gaming quand même, mais pour moi, c'en est un, pour moi personnellement, en tant que woofé de mousse. Mais en tout cas, je peux comprendre. Donc, regardez, qu'est-ce que c'est magnifique. Oh, la lumière, l'eau, tout ça. Oh. Alors, au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça? Mais en fait, c'est de l'eau. C'est de toute beauté, tout goût. Et du coup, bah, c'est plus le même du tout, quoi. C'est carrément autre chose. Non, mais c'est clairement un autre monde là. On n'est plus dans le même monde du tout, hein. C'est magnifique. Bon, ça charge la carte. C'est magnifique. Regardez quand on est en long et que ça charge pas la carte, c'est fluide. On est au-delà de 60 FPS, hein, je rappelle. Je dois être à 70 ou 80 FPS au moins. Mais parce que c'est quand même un gros truc qui pompe, donc c'est normal, donc du coup ça doit être à ça. En tout cas, quoi qu'il arrive, en sachant que si au cas où j'avais pas. À l'époque, j'avais un PC, comme je rappelle, avec un Core i3, une carte graphique intégrée 4400, et j'étais à 50, 40, 50 FPS. Voilà, que c'était de la merde, quoi. Ici, je suis carrément à 200. 200 FPS, 220 et 23 FPS quand il n'y a pas de shader ni rien, c'est trop le swag quoi.
Pourquoi me priver de shader si je sais que c'est bon quoi, c'est gagné. Donc je vois pas trop l'intérêt. Voilà, c'était pour vous montrer cette magnifique ville tout mou, futuriste, faite de mousse. Comme vous avez remarqué, il y a de l'eau en fait, tout simplement en dessous. Hein. C'est un choix de leur part. Voilà, ça fait très RTX quand même, un peu. Tout petit peu. Alors il va faire jour apparemment. On peut éventuellement vérifier ce que ça donne en jour. Jour. Oui. On va aller vérifier. Jour-nuit. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a de beau ici? En tout cas, c'est déjà bien que je puisse faire des vidéos sur Second Life, sur Minecraft avec des shaders. Bon, je vais devoir installer un 1.14.2 pour avec les shaders pareils, les mêmes Zeus pour ce que j'avais dit là, pour mon serveur sur Raspberry Pi. Et là, j'ai des mods. Et d'ailleurs, je vais foutre des mods comme Morphing et mode Creatures. Donc voilà, ça c'est obligatoire. Oh. Lumière, es-tu là? Lumière, es-tu là? Tu es fait de mousse et tu me donnes de la joie. Quel joli woo! De la fête de la mousse! Quel joli woo, shaders qui font de la mousse en double woo d'aria. Non, c'est pas ça? C'est tellement beau. Je pourrais rester des heures à mater les shaders comme ça, comme un con. J'adore. Ah, c'est trop beau. Yeah. Voilà. Trop cool, trop cool. Trop cool. Alors, ici, c'est censé être un restaurant. D'accord. Un joli ou restaurant. Un joli ou restaurant. Un joli ou restaurant. Un joli ou restaurant. Je vais faire à manger après parce que j'ai ça. Je suis retourné sur Minecraft, je suis un cas. Dès que j'ai testé le benchmark de mon ami qui m'a passé le lien du site machin, dès que j'ai testé ça, je lui ai envoyé le truc et tout ça, je suis retourné sur Minecraft parce que je peux pas m'en empêcher. Les shaders. Ah, plus les mods en plus. Oh. Ah ouais, j'ai ajouté d'autres maps en plus. Donc, encore plus de bordel. Ah mais je pourrais passer des heures et des heures à mater seul avec les ombres. Ça me fascine. Comment ça rend Minecraft tellement réaliste. Bon, enfin, réaliste. Vous allez me dire que c'est mieux avec... Bon, j'ai testé avec un pack de textures réalistes, mais en fin de compte, j'ai triché. Je vais vous montrer. Voilà, c'est celui-là, mais j'aime pas trop. Je préfère sans le pack de texture réaliste. Je vais vous montrer ce que ça donne. Hein. Mais je le mets juste pour vous montrer rapidement. Mais je vais retirer après. Parce qu'en fait, je préfère quand même sans. C'est mieux. Voilà. Voilà ce que ça ferait avec un pack de texture réaliste. En prenant en compte qu'il y a un problème avec ce pack de texture parce qu'il n'est pas au point. Donc il y a des petits bugs, comme vous voyez, hein, la skybox qui est pas bien faite. Mais voilà. Voilà ce que c'est. On a peut-être moins l'impression d'être sur Minecraft là en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. On n'est plus sur Minecraft là, on est sur un Minecraft réaliste en fait là. Bon, ça bug parce qu'en fait, si vous voulez, c'est un pack de texture de la 1.8.2. C'est pas la 1.9, il faudra que ça arrive la dernière. Mais c'est juste pour vous montrer un aperçu ce que ça donnerait avec un pack de texture réaliste. Attendez, non, par là. Donc là, je voudrais descendre. Donc voilà ce que ça donnerait. Donc ça demande pas mal de pompage quand même. Ah oui, du coup, regardez ce que ça fait, c'est que les arbres et les trucs ne sont assez sont différents, les feuilles et tout ça. C'est le but de ce truc. Gardez-moi ça quoi. Regardez les feuilles. Regardez le sol. Regardez cette coquelicot de magnifique sang. Eh ben apparemment le ciel est là. Donc je me suis trompé. Par contre, il y a des bugs avec la porte. Par contre, où est mon eau? Non. Mon eau. Mon eau. Non. Par contre, c'est spécial le sol. Non. Mon eau.
Mon eau. Oh. Oh. Petite saccade. Ah, mais là, il y a de l'eau. Attends, je comprends plus. Ah, mais oui, c'est normal, j'ai compris. C'est les glaces, en fait. C'est les carreaux que c'est à cause. C'est les carreaux qui ont du mal parce que regardez, en fait, si je vais de l'autre côté, regardez, là il y a de l'eau, hop, ça disparaît dans le truc des glaces. C'est parce qu'il y a un souci. Ok. Quoique ici ça va. Mais voilà, regardez ce qu'il y a, c'est que les portes sont buggées. Voilà. C'est un petit problème avec cette version-là parce que c'est pas le bon pack. Mais voilà ce que ça donne si au cas où je mets ces effets de. Je voudrais bien utiliser en fin de compte ce pack de textures, mais le problème c'est qu'il n'est pas compatible correctement à 100%. Donc voilà quoi, c'est pas encore ça. Mais oula, c'est quoi ça? Oh. Voilà. A, B, C, D, 60 FPS plus constance fait de mousse. Tu es de la marque doudouifiée. Tu es tout, tu es fait de mousse. Tu es tout mou, petit truc. Tu es apparemment. Ça porte un nom, mais j'ai oublié. C'est une antenne, c'est une station radio. C'est ça, merci mon cerveau. Oh là 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 là. Oh, toi, tu es beau. Tu es beau. Tu es beau! Oui, bon, avec les fameux bugs. Quoique, j'aime bien quand même ce pack de textures. Regardez le sol. Regardez comme c'est beau! Waouh! Non, il est bien ce pack de textures, j'avoue. Je suis juste dégoûté que les portes ont un problème. Donc, si vous savez pas c'est quoi comme pack de textures, c'est. J'ai déjà oublié le nom. Donc, vous voyez, hein, c'est 1.18, c'est pas le bon. Alors, c'est le LBPR. Plus reload, plus V5, etc. Mais voilà, notez le nom. Donc voilà, ici c'est juste que c'est pas encore le bon tout à fait à cause du truc. C'est pour ça qu'il y a des bugs avec la porte. Mais sincèrement, à part, il n'y a que des portes en fait. Parce que théoriquement, si je suis un connard, je dis ça comme ça parce que si je suis un imbécile et que je décide tout simplement de me dire, ok, c'est des portes qui ont un problème. Donc, il suffit. Oui, ça charge. C'est pour ça que ça lag, ça charge. Il suffit juste que je fasse le nécessaire. Donc le nécessaire, ça veut dire. Putain, ça fait flipper par contre là. T'as l'impression que tu vas tomber. Parce qu'on voit plus l'eau. Oui, c'est ça va dans l'eau. Attendez. On va chercher une porte. Est-ce que toutes les portes sont buggées? Ah, on ne sait pas. Bon, ça charge en même temps, donc il y a des petits lags, c'est normal. Il n'y a pas de porte dans cette maison? Non. Allez. Donnez-moi une maison avec une porte. Ah. Ok. Donc toi, tu as un problème. Ok, ça marche. Donc tu as un problème psychologique. Mais... C'est pas là que je vais appuyer, imbécile. Si je tente peut-être éventuellement de la remplacer par autre chose, on va marquer porte. Porte, aïe mon pied. Est-ce que ça peut pas juste régler le ou problème? Est-ce que c'est pas faisable? Parce que celle-là, j'en suis sûr, elle n'a rien. Ah non, elle a des problèmes aussi. Ok, donc c'est toutes les portes. Bon, ok, dommage. Voilà, c'est pour le moment c'est le seul problème que j'ai détecté. Hein. C'est les portes en fait qui ont un problème. Sinon pour le reste, regardez-moi ça, voilà, pour le reste ça a l'air d'être bon. Regardez, c'est impressionnant. Même les vitres, regardez quand on bouge un peu comme ça, il y a un effet bizarre. C'est assez impressionnant, c'est assez réaliste. J'ai défini mon point de spawn là, ça sert à rien, mais c'est pas grave. Donc j'adore ce pack de textures quand même, je serais capable quand même d'utiliser malgré tout qu'il y a ce souci-là. Les plantes aussi, regardez-moi ça, elles bougent, hein. Elles bougent, elles bougent. Et du coup c'est très réaliste, c'est de l'herbe réellement. Et même ça bouge, vous voyez, regardez, je ne bouge plus, regarde, ça bouge un peu.
Donc il n'y a pas de problème, tout fonctionne nickel. C'est vraiment uniquement le, j'ai l'impression que c'est juste les portes qui ont un problème. Donc sincèrement, c'est pas très grave. On peut très bien visiter le monde comme ça et se dire, regardez, on voyait, oh excellent. Java.x64. Include external debug message impact driver. Oh, regardez comme c'est magnifique. Error open generate internet debug message NVIDIA cadre driver détecté IGPU memory usage impact application performance Java 64. Oh, je sais pas pourquoi ça grosse pète. Regardez ce pack de textures, l'effet miroir que ça fait quoi. What the fuck, c'est incroyable, c'est ultra ultra bluffant. Donc voilà quoi, c'est assez impressionnant. Il y a cette histoire d'un pack machin là, c'est peut-être parce qu'il y a trop, je demande peut-être trop, je sais pas. Juste retirer ça, ça laissera un peu, voilà, 100 000 $ valide OpenGL, je sais pas quoi, opération, souci avec OpenGL, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave, écoutez, on a retiré ce qu'il voulait. Donc voilà, à part l'erreur que je viens d'avoir là, c'est bizarre, comme vous voyez, c'est juste magnifique. Et donc je vais vous laisser sur ça. Et je vous dis à plus, bande de petites trutrufes, portez-vous bien. Ciao, ciao.